Salut les vieux, salut les jeunes, et salut à ceux qui n'ont pas encore choisi une des deux catégories. Alors on va faire un petit point sur les dernières nouveautés qui nous ont plu. On va vous dire très rapidement ce qu'on en pense, mais tout de suite une petite mise au point. Ici on ne va parler que de ce qui nous plaît. C'est-à-dire que si on parle pas de votre truc, soit c'est parce qu'on est poli, soit tout simplement c'est parce qu'on n'a pas le temps. Et de toute façon, si on dit du mal, on va se faire blacklister partout, on va se faire insulter. On n'est pas là pour se faire chier. Alors c'est parti pour les albums du moment qui nous plaisent. On commence avec Saxon et l'album Thunderbolt. Alors là, c'est l'hibernatus roboratif du heavy metal. C'est du solide, du classique, il n'y a aucun changement. Bill Bifford, il a la voix qui est pris dans la glace. Si vous aimiez avant, vous aimerez maintenant. Ah, Sheeran's Lane avec l'album Carnival Day. Enfin de la couleur dans l'océan de visage du monde du métal. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais au moins il y a du soleil. Firepower de Judas Priest. Là, on va pas se la jouer Télérama et chipoter en disant ouais, c'est pas terrible, alors que tout le monde en sent cet album. Si tout le monde en dit du bien, c'est normal. Il est très bon. Rob Halford au top, des compos en acier. C'est du British Tech 3.0, c'est juste super bien. Et tant pis si maintenant, dans Judas Priest, il y a moins de membres originels que de français en équipe du PSG. Et là on est de retour et on termine avec le méga coup de cœur pour la prise de risque avec les grands PRISEDERISQUES prise de risque, l'Opophora en acoustique, personne n'avait vu venir. Et alors il a réussi ce tour de force de faire passer en mode fleuve s'ils sont déjà à merveille en balançant un wash, un mélange de colère, de larmes, de poésie, de sensibilité. On l'a là. Alors définitivement, Renaud, il est toujours vivant, il est toujours debout. Mais celui-là, il chante bien. Et en plus, sortir un long plug, juste comme premier album depuis l'intégration de Kevin Follett, si ça, c'est pas l'art du contre-pied poussé à l'extrême, alors simple appareil, jetez-vous dessus, c'est juste une petite bombe, mais calme, une bonbounette qui fait du bien aux oreilles. Allez, ciao! Non, 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 n'insistez pas, l'heure est au politiquement correct, on ne séparera pas l'émission en deux parties, les albums qu'on s'en suce et les albums qu'on s'en branle. Pourtant, il y en a quelques-uns qu'on aurait bien mis dedans. Mais on vous dira pas lesquels. On n'a pas envie de se faire jeter quand on arrive sur un lieu de tournage. Pourtant, on a reçu, tu vois ce que je veux dire, quoi, du coussi coussa. Du poussif, du répétitif, du chiant. Non, allez, on n'est pas là pour péter l'ambiance, on y va, on va dire que du bien.